Il se débauche d'heure en heure, là t'es un boulevard. Je m'appelle Sébastien Petretti, je suis réalisateur et je viens de Bruxelles. J'ai fait un BTS audiovisuel à Paris, à Marseille, d'image. Et après 2 ans, je pensais que je voulais faire chef-op, mais après 2 ans, je me suis dit que c'était intéressant, mais c'était pas pour moi. Je suis rentré en Belgique, j'ai fait de la régie et j'ai commencé à travailler sur des plateaux comme régisseur. Et puis de régisseur, je suis passé à assistant réalisateur, un peu de production, et puis à un moment j'ai décidé de devenir réalisateur. Et j'ai un peu tout arrêté pour monter un showreel et commencer à travailler comme réalisateur. Il y a peut-être une inspiration, un réalisateur qui s'appelle Christopher Broglie, qui est un réalisateur de pub, qui a un humour extrêmement décalé, extrêmement intéressant. Et lui a fait un film sur un personnage un peu barré qui m'a inspiré mon personnage. Et ouais, je pense qu'il n'y a qu'une seule inspiration, c'est ce film-là, en fait. Mon boss me dit que je dois parler à quelqu'un sur mon problème. Je me dis, pourquoi? Qui a le problème? Sacking quelqu'un pour wearing a pair of sunglasses. Fucking dick. What was I doing? Cab driver. Night shift. Et comment je l'ai financé? En partie avec l'aide, parce que je travaille comme réalisateur de publicité. Et j'ai demandé un peu d'argent à chaque société de production avec qui je travaille à droite à gauche en Europe, qui m'ont donné 2500 balles par-ci, 2500 balles par-là. Donc là, j'ai réussi à récolter la moitié des fonds et j'ai mis l'autre moitié de ma poche. And I get into the nightclub for free. In California, everybody wears sunglasses. Ben là, il y a un court-métrage qui va sortir. L'étalonnage est fini, enfin, je crois que globalement dans 2 semaines c'est fini, qui s'appelle État d'urgence sa mère, et qui est un court-métrage sur... c'est une comédie en fait sur l'état d'urgence, qui est l'équivalent de... En Belgique c'est l'état d'alerte, en France c'est l'état d'urgence, et c'est une comédie autour du délit de faciès et tout ce que certaines personnes peuvent se prendre dans la gueule depuis les attentats. Ouais. I don't know. But I'm on Facebook. I met a girl from LA. Le film a été produit par ma société en Angleterre qui m'a donné les fonds pour ce projet. Et c'est eux qui m'ont inscrit dans ce festival. Alors que moi, j'ai fait pas mal de démarches de mon côté, mais je n'avais pas fait celle-ci. Donc déjà, je suis très content qu'ils l'aient fait. Maintenant, je ne connais pas très, très bien le festival, donc je vais découvrir ça ce week-end. Mais je ne peux pas en dire beaucoup parce que je ne connais pas très bien le festival. Tu arrives à un stand de Bruxelles? Voilà, moi j'arrive, ouais, je suis arrivé il y a une heure et je repars demain soir, ou enfin dimanche. Mais donc voilà, je vous dirai ça dimanche. Okay. Comme réal, je pense qu'il faut. Le seul conseil que je peux donner, c'est peut-être bon, de beaucoup bosser. Bosser, c'est la base. Et le deuxième, c'est de croire en ses projets et d'aller jusqu'à les financer soi-même si c'est possible. Ray-Ban. These sunglasses are part of me, yeah? Ray-Ban, back in the 80s. Ray-Ban addiction. T'as une paire de Ray-Ban? Non. Pas sur moi, là. À la maison. T'en as une à la maison. J'en ai une à la maison, ouais. Donc voilà. Bah, merci. Ok, bah, merci à vous. Désolé pour la bière. Ah non, ça va. J'en ai assez en voiture. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. My dad used to sit here and watch the sunset. In fact, he was the one that called it Pink Velvet Valley. Don't know why.